Parce qu'il est très important pour nous, en fait, de ne pas être un restaurant, en fait. On tient vraiment à garder le vin à l'honneur, quelle que soit la formule choisie pour le déguster. On a envie que les gens ne se sentent pas dans un restaurant, en fait. Et ça modifie considérablement la façon de goûter le vin, et ça modifie aussi le comportement de nos clients. Si vous êtes dans un restaurant, vous avez une attention portée à la cuisine qui passe avant le vin. D'ailleurs, on le voit dans la plupart des restaurants, la carte des vins n'est pas la priorité quand il s'agit de passer du temps. Évidemment, la création de la carte en cuisine est beaucoup plus importante. Chez nous, c'est l'inverse. Vous avez le magasin de vin, vous choisissez votre référence. Et il est évident que vous ne pouvez pas, si vous voulez passer une soirée ici, boire 4, 5 verres sans avoir gagnoté quelque chose. Donc on essaye de proposer des choses qui globalement fonctionnent assez bien avec le vin. Voilà, on a choisi la carte tapas et l'idée aussi, la deuxième idée de la tapas, c'est le partage. On propose des plats qui sont à partager entre les différents convives qui sont ici en fait. Vraiment comme l'idée du vin en fait, hein. Le vin se partage, vous ouvrez une bouteille, vous trinquez et vous goûtez avec quelqu'un, vous parlez éventuellement du vin. Avec les tapas, c'est pareil, vous partagez le même plat.